Bonjour, la présentation d'une partie du coffret collector des Wings. Ça, ce sont mes petites jambettes. Et je suis en tenue estivale. Donc, ce document, nous l'ouvrons. Ça n'est pas moi qui fais des petits dessins ni des tâches. C'est Monsieur McCartney. Alors, nous commençons par le spécial pass. Voilà. C'est bien, ça me servira dans quelques années. Voilà. Hop. Hop. Et parce que je suis en train de filmer avec l'appareil à ma droite. Et bien entendu, je ne vois pas l'écran. Photo. Chaque salle de concert est représentée. Le petit clic-clic que vous entendez de temps en temps, c'est le capuchon de l'appareil photo. Les tickets des différents concerts, bien entendu, où je suis allé en 76. Donc, j'étais au Caribou. Non, j'en sais rien du tout où j'étais d'ailleurs. C'est beau quand même. Voilà, c'est merveilleux. Vous me direz, ce ne sont que des tickets. Oui, mais c'est des tickets que M. McCartney il a mis dans un album, le Stadium Boston Garden. Toutes les informations qui peuvent exister. Si vous voulez, pour New York, si vous avez besoin d'appeler la police, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous voulez réserver une limousine, c'est le 245-68-90. Numéro de téléphone de chez Hertz, 800-654-31-31. Bon, alors là, un petit document quand même beau, hein, aussi. Voilà, donc, ce qu'avait M. McCartney quand il chantait, la liste, la checklist, la liste des chansons. La setlist, comme ils disent. Là, c'est une petite invitation pour une garden party. Voilà, donc avec tout le... Mais c'est mieux comme ça, quand même. Tout le descriptif de ce qu'il y a à faire. Enfin bon, à telle heure, le dîner sera servi. Dancing to the music of Nelson Riddle Orchestra. On n'a rien à tamponner, mais c'est quand même bien. Voilà, les tenues de scène, les beaux dessins, c'est quand même très énervant ce truc. Voilà, on n'entendra plus. Des articles de presse. Les bandes magnétiques qui ont servi à nous faire les beaux albums que nous avons dans le CD, dans le coffret. Pas de détails. Hein. Hop. La fameuse couverture de l'album. Des petites photos. Ce petit guitariste-là est mort d'une overdose 2 ans après avoir quitté le groupe. Le batteur a quitté le groupe pour des raisons familiales. Je ne sais pas ce qu'est devenu notre guitariste. Linda Baenas, nous savons ce qu'elle est devenue. La fameuse, le fameux dessin hyper réaliste. Énorme. Bon, c'est mieux quand on comprend l'anglais. C'est pour ça que j'ai demandé à Yves de venir demain pour me traduire ça. Il m'a dit que ça ne poserait aucun problème. Il ira et il traduira au fur et à mesure. Donc nous continuons. Voilà, et nous arrivons donc à la partie Dix,
Donc là, c'est un petit peu enlevé parce que j'ai enregistré ça à part et puis j'ai réussi à capter le film. Voilà, nous avons ça aussi. Bon. Normalement, on doit peut-être pouvoir dévisser ça afin de présenter les documents si je voulais. Mais enfin bon. Alors. Donc Denis Lane, le guitariste avec le double manche. Jimmy McCulloch est celui qui est bêtement mort. Linda, c'est encore plus dramatique. Enfin, c'est toujours dramatique. Voilà. Il avait quand même un sacré toucher de guitare, le petit garçon. C'est mon animal favori. Voilà. Ce qui nous attend. Après ça, bon, si c'est du même tonneau, hein, moi j'ai pris Made on the Run, c'est fabuleux. Et puis celui-là, c'est extraordinaire. C'est une partie du coffret.